Run. Yo, c'est la Team L3 et aujourd'hui c'est le World Cup Challenge. Comme vous le savez, la S3 Family, aujourd'hui c'est la Coupe du Monde et la France est rentrée en lice, donc on a mis les maillots de l'équipe de France. Et on s'est dit qu'on allait vérifier si les gens étaient dans le mood de la Coupe du Monde. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'objectif de cette vidéo, mesdames et messieurs, c'est d'aller voir si les gens dans les rues de Paris sont dans le mood de la Coupe du Monde. Parce qu'on a vu, il n'y a pas trop de hype autour de la Coupe du Monde en ce moment. Donc on va voir si les gens ils y pensent, s'ils sont dans le truc quoi. Et du coup, pour voir ça, on va aller voir des mecs, on va leur mettre la hagra, la misère, de l'intimidation, des petits ponts, des AK. En gros, on va choisir une personne, on va se mettre autour de lui, on va faire un taureau, on va essayer de le rendre malade. Et après, celui qui loupe la balle, il aura un gage. Look at me at one ago. Tu vis tout flat. Regarde ça. Non, mais lui, il a l'air pressé, les gars. Il a l'air pressé. Il va jamais faire. Il a pas le temps. Il a parfait. C'est juste pour ça. La... C'est parti. C'est parti. Oui, monsieur. Stéphane, on enchaîne. Oui, voilà. Il est parti. Oh là là. Il est parti. 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 Oui, 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 oui. Bon, vas-y, prochain gibier, les gars. Tu vois, on cherche le gibier, tu vois. Là, enfin, lui, il est pas fou, toi. C'est parti. Allez, c'est bon. Au milieu des meufs là, tu vas l'avoir à faire. Tu veux d'abord. Au milieu des meufs. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Merci. C'est le beau moment de toute ma vie. Ok, le gars, je vois good. The validate because he dance good. Yeah. I'm English. Danser comme ça en chantant Dame Tukosita le cul à l'air. Regarde, il y a une meuf qui passe. Ouais. Et tu commences. Exactement. Let's go. How are you? Wisconsin, America. Come down, why not I use big bang bang? Wisconsin. Ah d'accord. And I'm getting out of my door. Donc là, on a trouvé quelqu'un, on a trouvé le gibier là dans un. Trop de formalité, on va aller fumer un mec. En vrai, si je peux me permettre, l'adversaire il jouait pas. Ouais, mais ça a une raison de plus pour ne pas rater ta passe. Non, mais parce que t'as capté, nous on est là, on essaye de le faire. Ta gueule, tu dis. Calm down, please, ok? Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Oh!
On en était au cache de mode. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Tu vois la meuf en violo au Starbucks, ouais. Tu vas prendre son café, tu vas courir. Là, le gage de mode, c'est d'aller prendre un café au Starbucks. De quelqu'un qui est en train de boire un café. Il doit courir cavaler sa mère, ok? Le mec il a rodage, il fait que de me regarder. Run. Non, c'est mort. Il a raté sa passe. Eh, Kirikou, t'as raté la balle. Écoutez-moi, ça a compté autant que ça comptait moi. Il commence à pleurer. Alors, ton gage. Your gage. Tu vas à leur table là. Ouais. Et tu t'assois avec eux. Et tu manges une frite. Après tu mets tes lunettes, tu vois, après tu prends une frite, tu vois. Oh putain, merde. Et putain. Tu leur dis, il manque un peu de sel. Hein. Merde, je vous cache pas. La mouche, elle me regarde depuis tout à l'heure. Excusez-moi. Bonjour. Je m'excuse. J'en ai pour 2 minutes. Excusez-moi, j'en ai pour 2 minutes. Ne vous inquiétez pas, je m'en vais. Hop là. Ça manque un peu de sel. D'accord. C'était bonne les frites. Voilà, elle manquait vraiment de sel. T'as dit quoi? Elle m'a dit ouais, on est en plein meeting et tout. Et quand t'as fait une frite, elle t'a dit quoi? Non, mais attends, elle a dit c'est à moi. Ok, bien joué Trafalgar. Bien joué. Il a mangé la frite. Il a respecté son gage. On passe au suivant. Qui est le suivant? Bon, c'est pas. On va essayer, on va voir. Ça sera toi. Non, j'espère que ce sera toi. Non, c'est toi. Moi, je prendrai aucun gage, c'est sûr et certain. Hey, calm down, please, ok? Calm down. Oh my nigger! Céane, il va créer un embouteillage. C'est parti. Voilà, attendez. Aïe, voilà. Un champion. Oh! Bien joué. Yes! Bien joué. Yes! C'est parti! You pay! Ah, je vous tape, ok? Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire un gage. Bien joué, monsieur. Ouais, plus un pour vous. Franchement, jusqu'à là, tous les gages étaient drôles. Et tous les gages ont été remportés. Ouais. Oui. Du coup, moi, ce que je pense. Oui. Plus comme, vite, là, allez. Comme c'est un petit chenapan, ouais. Il va attraper la main d'une meuf. Non, il. Quoi? Il va attraper la main, tu sais, genre la main à des inconnus, voilà, il va venir. Il y a une meuf, elle va marcher, et lui va attraper sa main comme ça. Si tu te manges une gifle, c'est pas grave, ça veut dire que t'as réussi ton défi. Exactement, tant que t'as pas pris de gifle. Attends, on va vraiment attendre une belle fille quand même, tu vois, il faut qu'elle soit vraiment belle la fille. Non, en fait, attends. Non. Mais elle va croire que je lui vole son sac. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, mais t'es un ouf toi!
le geste du jour. Et... Yo, c'était la Team F3. On espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, nous, on s'est super bien amusé. Je sais pas pour vous. Ouais. On a remarqué aussi que la France et les Parisiens sont prêts pour la Coupe du Monde. Ils sont bras, ouais. Il y a une petite hype, tout ça, qu'on n'avait pas encore ressenti durant ce début de Coupe du Monde. Mais là, on l'a ressenti, on a senti le truc. Mais plus particulièrement, les gars, j'étais plus drôle que la hype. Surtout toi. En tout cas, dites-nous en commentaire. Quel gars était le plus drôle? Personnellement, je pense que c'est celui de Kraft. Moi, je pense que c'est celui de Moss. Moi, je pense que c'est celui de Céane. Hein, celui de moi, j'ai bien aimé. Si tout se passe bien, si vous regardez cette vidéo, c'est que demain, la France joue. Du coup, dites-nous combien entre France et le Pérou? Moi, je dis 3-1. Moi, je dis 2-0. 2-0 pour le Pérou. Ouais. Comme d'hab, n'oubliez pas de... Likez.